Bonjour et bienvenue dans le Mac de la science. Bienvenue chez moi, dans mon bureau. Vous allez voir que la curiosité n'est pas un vilain défaut. Cette semaine, la rencontre du passé et du futur. Les nouvelles technologies se mettent au service de l'archéologie. Scanners et intelligence artificielle permettent de découvrir des informations dans des parchemins calcinés ou de cataloguer les glyphes aztèques. Pour en parler avec nous, nous recevrons Théophane Nicolas de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Et pour finir, une chronique sur les avions supersoniques, mais sans le fameux bang. Quand on parle réfugiés, on pense d'abord aux réfugiés politiques ou aux réfugiés économiques. Mais il va falloir penser aux réfugiés climatiques. Parce que, au rythme de la montée des eaux, du réchauffement de la planète, le nombre de ces réfugiés va exploser partout dans le monde, y compris en France. Regarde. Certains estiment que le nombre de réfugiés climatiques pourrait être 6 fois supérieur à celui des réfugiés politiques. Eh ben moi, j'ai une solution, Pepper. Tu sais qu'à Paris, la Seine, elle connaît des crues régulières. La dernière grande crue centennale était en 1910. Bon, ben du coup, on a mis au point des tas de plans pour évacuer les musées. Donc, si on est capable de mettre au point un plan d'urgence pour sauver les œuvres d'art, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre au point un plan d'urgence pour sauver les réfugiés climatiques? Il faudrait plutôt essayer de lutter directement contre la montée des eaux. Surtout au large de l'Écosse, sur les îles Orcades, parce que là-bas, les habitants et le patrimoine archéologique sont en danger. À l'extrême nord de l'Écosse se trouvent les îles Orcades. Un archipel de 67 îles, dont 16 seulement sont habitées aujourd'hui. Malgré le climat peu accueillant, on trouve des Orcadiens depuis plus de 10 000 ans et on peut encore visiter ces habitations humaines plus anciennes que les pyramides. Le site de Scarabée est très particulier parce qu'il est exceptionnellement bien conservé. C'est quelque chose d'unique au monde. Ça vous donne une idée de comment les gens vivaient il y a plus de 5000 ans. Mais ces sites exceptionnels risquent de fermer leurs portes à cause du réchauffement climatique, de la montée des eaux et des pluies abondantes. Ces vestiges archéologiques pourraient bien littéralement sombrer dans l'oubli. Il y a plusieurs aspects du changement climatique qui ont un impact sur les sites comme Scarabée. La montée du niveau des mers, l'augmentation des précipitations, la hausse des températures. Chacun peut avoir un impact négatif sur la conservation des vestiges de Scarabée. Alors tous en même temps. Les plus en danger aujourd'hui sont les sites de Scarabée, vieux de 5000 ans, ou le plus récent, Hoogbroek, qui lui a déjà les pieds dans l'eau. Vous voyez, ça, c'est la porte de la tour en pierre. La mer vient la ronger. Elle grignote les fondations de ce mur encore intact. Mais chaque année, un peu plus de pierre tombe sous l'effet des vagues et de la mer. Près d'un millier de sites des Orcades, situés en bord de mer, sont exposés aux mêmes dangers. La Société de l'environnement historique de l'Écosse a tiré la sonnette d'alarme et a décrété que le risque était désormais extrême de voir ces repères historiques disparaître dans les années à venir. Le changement climatique est un vrai risque aujourd'hui. Les gens pensent que ce changement est dans le futur, que c'est pour dans 10 ans ou 100 ans. En fait, le changement est déjà là, à cause de l'influence humaine. Et ça va continuer à changer, et de plus en plus vite. Donc, pour les sites de Scarabée ou les autres sur les Orcades, le risque est réel. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais il y a quand même des raisons d'espérer. On peut encore agir pour éviter les pires conséquences de ce changement climatique. Les précipitations ont augmenté de 27% en Écosse depuis les années 60. Les plages orcadiennes perdent jusqu'à 40 cm par an depuis les années 70. Avec ces vieilles pierres, c'est en fait toute la mémoire d'une région qui pourrait bien être engloutie par les flots.
Sur cette petite étendue de terre, là où je suis, on a 2000 ans d'archéologie. Il y a cette tour de pierre sur laquelle je suis, et là, c'est du matériel médiéval que vous voyez. Entre les deux, vous avez des restes de l'époque viking et même de l'évacuation des Highlands, quand les habitants ont abandonné ces maisons à la fin du 19e siècle. Ce sont des lieux clés iconiques pour comprendre l'histoire de l'Écosse. Les Orcadiens des grandes villes modernes de Kirkwall ou de Stromness sont encore à l'abri, mais leur passé est déjà un réfugié climatique qui peine à maintenir la tête hors de l'eau. Dis-moi, Pepper, est-ce que tu es capable de lire ce que j'ai écrit sur cette feuille ? Négatif, je ne perçois rien. C'est parce que j'ai écrit à l'encre invisible. Si on chauffe le papier, l'encre, elle va se mettre à brunir et on va pouvoir voir le message. Attends, j'ai un autre défi à te proposer. Là, sans rien toucher, est-ce que tu arrives à lire ce qu'il y a sur cette feuille ? Négatif. Les replis du papier cachent parfaitement ce que tu as écrit. Eh ben, tu vois, Pepper, ce dilemme, c'est souvent celui que ressentent les archéologues. Exemple, tu trouves une magnifique momie. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Interdiction d'ouvrir ça comme un malpropre, hein, évidemment, c'est mille fois trop précieux. Alors, tu peux faire comme au musée des Beaux-Arts à Rennes, c'est-à-dire scanner la momie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tu vas voir qu'on peut faire encore plus fort. À Herculanum, c'est une ville voisine de Pompéi qui a aussi été engloutie par la colère du Vésuve. Là-bas, on a réussi à lire ce qu'il y avait sur des rouleaux de parchemin carrément calcinés. Aujourd'hui encore, les colères de la Terre sont imprévisibles. Les éruptions volcaniques prennent encore les scientifiques par surprise. Rien d'étonnant donc que les Romains de Pompéi et d'Herculanum aient été ensevelis par les nuées ardentes du Vésuve en l'an 79. Mais presque 2000 ans plus tard, on en apprend encore sur ces vestiges, ces instantanés d'une civilisation disparue. Les Romains pétrifiés sont passés dans des scanners de haute précision. Mais ce qui passionne les chercheurs anglais, ce sont les manuscrits et les parchemins qui nous sont parvenus presque intacts, à ceci près qu'ils sont complètement carbonisés. Ces parchemins sont nos seuls témoins de cette époque antique. La bibliothèque d'Herculanum est la seule bibliothèque antique à avoir survécu. Ces livres sont donc extrêmement précieux. Parmi les richesses de la bibliothèque disparue d'Herculanum, les scientifiques veulent mettre en lumière les deux parchemins et les quatre fragments retrouvés à ce jour. Pour cela, ils ont eu recours aux équipes du Diamond Light Source, le synchrotron anglais, et grâce à une lumière 10 milliards de fois plus brillante que celle du Soleil, ils ont réussi à pénétrer les secrets de ces blocs de charbon. Dans ce cas précis, il fallait ne rien détruire, lire à l'intérieur des parchemins sans les ouvrir. Donc l'idée, c'est d'utiliser un genre de scanner. Celui que vous utilisez pour voir les organes d'une personne en 3D. Sauf que là, on regarde dans un parchemin et on utilise une lumière très intense pour obtenir plein d'images en deux dimensions. Ensuite, on reconstruit une image en trois dimensions de l'objet et on peut le dérouler virtuellement pour lire le texte sans avoir abîmé l'objet original. À la manière d'une radiographie, les Anglais voient alors à travers la matière. Pour certains fragments, les scientifiques reconnaissent même le livre et l'auteur. Ceux que nous avons déjà pu ouvrir et lire sont des écrits d'un certain Philodème, un philosophe épicurien. C'est déjà très intéressant. Ça nous renseigne sur la philosophie épicurienne et les élèves d'Épicure à cette époque. Mais pour les fragments les plus carbonisés,
L'encre utilisée à base de carbone, elle aussi, est difficile à dissocier du parchemin. Les scientifiques veulent donc utiliser l'intelligence artificielle pour analyser la densité du papier et déchiffrer les résidus d'encre. Et peut-être découvrir quels livres lisaient les habitants d'Herculanum il y a 2000 ans. Quand ces parchemins seront ouverts virtuellement, que le texte sera accessible, les scientifiques pourront les étudier n'importe où dans le monde, sans avoir besoin de voyager jusqu'à une bibliothèque en France ou à Naples, sans risquer d'abîmer ces objets en les sortant de la réserve non plus. L'archéologie devient intangible. Les parchemins se déplient virtuellement, et les archéologues doivent faire équipe avec des informaticiens et des IA pour espérer déchiffrer les énigmes du passé. Un passé figé dans la cendre, piégé dans la roche. Car malgré tous les savoirs et les livres d'il y a 2000 ans, Herculanum et Pompéi n'ont pas su prévoir la catastrophe qui gonflait sous leurs pieds. Notre invité cette semaine est un archéologue. Théophane Nicolas, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes archéologue à l'INRAP, Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Archéologue donc, on vous imagine avec des pinceaux, des truelles. Vous me dites qu'il y a beaucoup d'autres outils. Notamment les outils numériques et informatiques. Alors, on va commencer dans le détail. Photogrammétrie, c'est quoi? Vous en faites quoi? Alors la photogrammétrie, c'est une technique d'acquisition d'images et de compilation d'images qui nous permettent de faire des restitutions 3D d'objets ou alors de monuments. Avec une couverture photogrammétrique, on va faire une multitude de photos des murs, des élévations. Et ensuite, les photos vont être compilées pour obtenir le monument en relief, en trois dimensions. Le LIDAR. Alors, le LIDAR, là, c'est une autre technique, là aussi, d'acquisition, qui est un peu différente. Alors, c'est un appareil qui est embarqué, soit sur un drone, soit sur un petit avion, et qui fait une couverture du relief, et en l'occurrence du micro-relief, et qui peut faire abstraction du couvert végétal. Donc, récemment, par exemple, il y a eu une couverture LIDAR d'une partie de la forêt amazonienne, et on a pu identifier des temples et des petites villes mayas qui étaient jusqu'alors inconnues parce que recouverts par le couvert végétal. Autre outil, vous faites de la télédétection. Effectivement, on peut faire des couvertures, là aussi satellitaires, sur des très grandes surfaces, mais on travaille aussi à l'échelle de l'objet, notamment avec les rayons X. Et classiquement, l'exemple que l'on connaît tous, c'est la momie. Et pour voir à l'intérieur... Il ne faut pas enlever les bandelettes. Hein. Voilà, il faut, pour éviter d'enlever les bandelettes, on va les passer dans un scanner médical et on va visualiser tous les objets et tous les os qui sont contenus à l'intérieur de la momie, sans même intervenir physiquement sur celle-ci. Vous faites de la chimie aussi? Enfin, vous travaillez avec des chimistes? Oui, parce que les archéologues travaillent beaucoup dans l'interdisciplinarité. On travaille énormément avec d'autres chercheurs qui travaillent sur d'autres disciplines. Et depuis une dizaine d'années, la chimie organique se développe de plus en plus, puisque la chimie organique va nous permettre d'identifier, par exemple, le contenu de récipients céramiques ou métalliques qui ne sont visuellement pas conservés, mais qui sont conservés organiquement dans la paroi ou sur la paroi de ces contenants. Un exemple. Donc, un exemple sur la belle tombe à char de Lavaux, qui a été découverte il y a quelques années dans la périphérie de Troyes. Il y a un cratère en bronze qui a été trouvé dans la tombe, donc c'était un grand récipient métallique. Et l'analyse des parois de sa vase ont pu permettre d'identifier et d'être sûr que le cratère a contenu du vin. Il y a un point commun à toutes ces technologies, Théophane, vous restez avec nous, c'est le numérique. Je vous emmène chez les Aztèques, vous allez voir l'apport du numérique et du big data. Au XVIIIe et XIXe siècle, les explorateurs européens ont ramené de leur voyage des milliers d'objets, de parures, d'œuvres d'art. Aujourd'hui, la question se pose dans bien des musées, faut-il restituer ces œuvres? Google, le géant de l'informatique, a trouvé un excellent moyen d'éluder la question en lançant un partenariat avec le British Museum et l'Institut mexicain d'anthropologie et d'histoire autour du projet Google Art et Culture. Le but? Rendre les œuvres d'art accessibles à quiconque, par Internet.
Nous voulons préserver l'héritage tangible et intangible en utilisant les technologies numériques et offrir le tout aux gens du monde entier. Le British Museum a une collection phénoménale de 8 millions d'artefacts. Et chacun d'entre eux a une histoire à raconter. La conférence de presse s'est tenue autour du monde Maya, une civilisation disparue d'Amérique centrale. La pièce maîtresse du projet est la reproduction des marches palatiales de la ville de Palenque, aujourd'hui érodée. Le moulage original, ramené par l'explorateur victorien Alfred Moseley, peut donc rester tranquillement à Londres. Son double virtuel est bien à l'abri de l'érosion sur Internet. Pour ce projet, nous avons travaillé autour d'un escalier gravé. C'est de l'histoire écrite, vieille de plus de 1000 ans, mais qui s'est détériorée à cause des variables environnementales, notamment la pluie. Mais nous avons pu utiliser les nouvelles technologies pour créer une réplique et l'installer physiquement sur le site de Palenque. C'est un nouveau pas pour nous, le projet Google Agriculture. Les fouilles archéologiques deviennent virtuelles grâce à l'arrivée des nouvelles technologies sur le terrain. Mais le monde des musées doit aussi s'adapter à ces nouvelles façons de communiquer. Nous espérons tous que le projet est un coup d'essai pour le British Museum, parce qu'il y a beaucoup à faire en termes de numérisation. Quel public cela peut toucher, comment cela peut bénéficier aux collections et ce que ça implique pour les musées en général. Maintenant que les données Maya sont accessibles, nous espérons que le grand public appréciera et qu'il pourra s'en saisir, de même que nos collègues du secteur académique, que cela les aidera dans leurs recherches. En gros, nous offrons ces données gratuitement dans l'espoir que quelqu'un se serve de ces trésors pour faire de grandes découvertes. La plateforme numérique contient des articles, des vidéos, d'anciennes photographies et les reconstructions 3D pour plonger dans le monde des Mayas, le tout gratuitement. Le futur, c'est cette rencontre incroyable entre l'art et les technologies. Théophane Nicolas, archéologue à l'INRAP de l'archéologie préventive. On a vu la photogrammétrie, les lidars, la télédétection, les rayons X, la chimie organique. Il y a l'ADN aussi comme outil pour vous, les nouveaux archéologues. Effectivement, les biologistes travaillent de plus en plus avec les archéologues sur ces problématiques d'ADN. Donc, l'exemple que tout le monde connaît, justement, c'est restituer le déplacement de l'Homo sapiens de l'Afrique vers l'Europe, mais sur des périodes plus récentes, notamment à la transition du 3e, 2e millénaire. On a des problématiques de déplacement de population à l'échelle de l'Europe qui sont relativement importantes. Et les biologistes travaillent beaucoup sur ces problématiques. Alors après, ensuite, pour l'archéologue, peut se poser certains petits problèmes, puisque les biologistes vont avoir des interprétations de leurs données. Les archéologues, eux, ont des interprétations de la culture matérielle, puisque c'est l'élément qui est conservé. Et ensuite, il y a parfois des problèmes de conjonction ou d'interprétation entre les données issues du biologique et les données culturelles. Et c'est là-dessus que les deux disciplines doivent discuter, échanger pour réussir à tirer les conclusions de ces différentes études. Et vous travaillez également avec des astrophysiciens. Ah, quel rapport avec l'archéologie ? Alors, quel rapport avec l'archéologie ? Alors ça, c'est un exemple vraiment de collaboration interdisciplinaire, donc en Égypte, sur la Grande Pyramide. Les archéologues travaillent depuis très longtemps pour essayer d'identifier des chambres à l'intérieur de la Grande Pyramide. On n'a pas accès à ces chambres, donc on a eu des collaborations avec des astrophysiciens qui ont travaillé sur les muons. Les particules à haute énergie qui traversent tout, hein, voilà, on est sans arrêt traversés par des muons et ça va de l'autre côté de la Terre. Tout à fait. Et grâce à cette technologie, les chercheurs ont réussi à identifier une grande chambre à l'intérieur de la pyramide. Alors maintenant, il faut pouvoir aller vérifier à l'intérieur de cette chambre. Et là, la robotique. Et ben voilà, donc là aussi, notre collaboration. Donc on est allé chercher les compétences chez les roboticiens pour essayer d'accéder à cette chambre et ensuite réussir à documenter, donc notamment à cartographier cette chambre et ensuite à récupérer le robot et ses données. Génial, astrophysique et robotique. À propos de robots, vous travaillez également archéologie sous-marine ?
Oui, alors en archéologie sous-marine, notamment pour les grandes profondeurs, là où les humains ne peuvent pas physiquement aller étudier les épaves, de plus en plus on utilise des roves qui sont là aussi des gros robots qui permettent d'accéder aux grandes profondeurs et en utilisant diverses techniques comme la photogrammétrie, permettent de documenter des objets archéologiques, en l'occurrence là des épaves, et avec leur cargaison dans des grandes profondeurs. Vous, votre spécialité, c'est la céramique. Oui. Vous avez utilisé ces technologies? Alors moi, je suis céramologue, j'étudie la poterie hein, d'une période relativement éloignée en Europe occidentale. Les Gaulois, voilà, les un peu avant les Gaulois. Et toutes ces techniques, alors pas une partie de ces techniques, je peux les utiliser dans mon métier. La photogrammétrie, je m'en sers pour restituer en modèle 3D les récipients. Donc j'ai déjà utilisé également la tomographie pour essayer de documenter la manière dont est fabriqué ces récipients. Cette interdisciplinarité est passionnante. Est-ce que vous continuerez maintenant à avoir le pinceau? Oui, sur place? Oui, parce que pour le coup, le travail de l'archéologue, c'est sur le terrain, acquérir de la donnée. Donc on travaille toujours avec le pinceau, l'outil dentiste, mais aussi avec des équipements qui peuvent être beaucoup plus important. On travaille des grosses pelles mécaniques qui nous permettent là de faire des décapages, donc de mettre au jour des très grandes surfaces avec des vestiges. Merci Théophane Nicolas d'avoir été notre invité. On va rester dans l'archéologie. Vous allez voir qu'avec toutes les technologies dont on a parlé, il est possible à partir d'un simple petit fossile, un morceau de mâchoire, de reconstituer un visage entier. En 1974, le célèbre fossile d'Australopithèque, Lucie, était découvert. Plus de 40 ans plus tard, à 50 km de ce lieu historique, un nouveau fossile fait surface. Son nom, MRD, Australopithecus anamensis pour les intimes. Il est doté de caractéristiques simiesques et humaines, et ce serait un ancêtre direct de Lucie. Ce fossile change la donne et répond à des questions que l'on se pose depuis des décennies. Tout ça à partir de ce magnifique spécimen que nous avons découvert dans la zone de Woronsomil. Pour le moment, on n'avait retrouvé que quelques fragments de crâne de cet Australopithecus anamensis. Mais la découverte d'un crâne presque complet offre de nouvelles possibilités. Mon premier instinct était d'emboîter ces deux fragments. J'ai pris le maxillaire, j'ai pris le crâne et clic, une tête complète. Ce spécimen nous donne un premier aperçu de l'anatomie crânio-faciale d'Australopithecus anamensis. L'étude du crâne est très révélatrice pour une espèce fossile. On peut en déduire le régime alimentaire, la taille du cerveau ou même l'apparence faciale. C'est d'ailleurs ce que se sont empressés de faire des scientifiques de l'Institut Max Planck, en Allemagne. Voici à quoi ressemblait MRD. On distingue déjà l'aplatissement du visage et d'autres caractéristiques héritées de la station debout. Mais surtout, ce lointain cousin bouleverse la vision de l'évolution envisagée par les paléontologues. Australopithecus afarensis, l'espèce à laquelle appartient Lucie, date de 3,9 millions d'années. Et il semblerait qu'il ait cohabité avec Anamensis, l'espèce de MRD. Cela change complètement le modèle évolutif de ces deux espèces d'Australopithèques. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'Anamensis était probablement l'ancêtre d'Afarensis. Mais leur relation n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme si MRD avait disparu et Lucie était apparue subitement. Non, plutôt que cet ancêtre potentiel, Australopithecus anamensis, et que son descendant, Australopithecus afarensis, ont cohabité, au moins pendant 100 000 ans, il y a 3,9 et 3,8 millions d'années. C'est vraiment une découverte majeure pour la compréhension des relations phylogénétiques entre ces deux espèces. L'évolution de la lignée humaine est un mystère que les archéologues déchiffrent pas à pas, os après os. Épaulés par les nouvelles technologies,
nous pourrons peut-être un jour débusquer notre plus ancien ancêtre commun et dévoiler les traits de cet aïeul. C'est l'heure de retrouver les journalistes de Sciences et Vie, le magazine. Muriel Valin, bonjour. Bonjour. Où nous emmenez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on part dans les airs. En avion? En avion, mais pas n'importe quel avion. Un avion supersonique. Supersonique, ça se fait plus, ça? Ça se fait plus actuellement, mais on s'attend à un retour de l'avion supersonique. Comme le Concorde? Oui. Alors, vous aviez déjà entendu que les avions supersoniques, à l'époque du Concorde, ils faisaient un bruit particulier, le fameux bang? J'ai entendu ça une fois, il y a très longtemps, j'étais en bateau au large de la Bretagne. C'est impressionnant. Bang! On a l'impression que tout va péter. Alors, pourquoi je vous parle de ça, de ce bang? C'est parce qu'à l'époque, quand les avions supersoniques circulaient et qu'ils faisaient le fameux bang, c'était tellement assourdissant qu'on avait décidé que ça serait interdit de circuler à cette vitesse-là au-dessus des continents. Ça devait être uniquement au-dessus de l'eau. C'est quoi précisément, scientifiquement, ce bang? Ce bang, c'est une perturbation qui est produite par l'avion quand il circule dans l'air au-delà de la vitesse du son, 1230 km/h. Le fameux Mach 1. Mach 1, voilà. Alors reprenons le cas classique. Un avion qui circule dans l'air, il provoque une perturbation. Donc en fait, cette perturbation de l'air, elle se traduit par des ondes acoustiques, des ondes sonores qui se répartissent autour de manière régulière. Ça, c'est, on entend au sol un bruit, le bruit classique des avions. Il traîne un bruit dans l'avion qui passe. Maintenant, quand on va au-delà de la vitesse du son et qu'on se retrouve à aller au-delà de 1230 km/h, il y a une surpression qui se produit devant qui est telle que les ondes, elles sont comprimées, déformées, et donc au lieu d'avoir une répartition uniforme autour de l'avion, elles se concentrent. Et quand elles arrivent au sol, on récupère toutes les ondes d'un coup et on a le fameux bang. On peut visualiser cette concentration de l'air dans certaines configurations météo. Ça forme comme un nuage où on voit un anneau autour de l'avion, exactement. Alors ça, c'est un vrai problème à l'époque du Concorde et à l'époque des premiers essais de les supersoniques, c'est que ça faisait un bruit qui était insupportable au sol, à tel point qu'on a décidé, donc, comme je le disais, d'arrêter ça. Mais aujourd'hui, on a du mal à renoncer à cette vitesse ultra rapide pour faire les trajets un peu partout dans le monde. Donc il y a eu l'idée de fabriquer des nouveaux avions qui seraient capables d'aller au-delà de la vitesse du son, mais qui feraient moins de bruit. Mais comme, vous allez me dire, mais comment on fait pour arriver physiquement à aller à cette vitesse-là, tout en n'ayant pas ce bruit qui semble inhérent à cette circulation dans l'air? Eh bien, on va travailler sur la silhouette de l'avion, avoir notamment des silhouettes très allongées qui vous rappellent peut-être quelque chose. Bah, le Concorde, hein, le évidemment. Fameux Concorde avec le nez très allongé. Oui. Et c'est pas tout, on va aller regarder sur les ailes et sur le corps de l'avion comment mettre des reliefs qui vont casser ce fameux cône d'onde qui produisait un si gros bruit. Alors, quand je dis qu'on n'aura plus le bang, entendons-nous, il y aura quand même un bruit. Mais ça sera de l'ordre du claquement de porte. Donc, vous voyez, rien à voir avec ce qui se passait jusqu'ici quand on avait des avions qui volaient à plus de Mach 1. Bon, mais les images que vous montrez dans le magazine, c'est des protos, c'est des vues d'artistes, ça n'existe pas encore. Alors, si on a eu envie d'y revenir dans Science et Vie, c'est que, justement, pendant des années, on a parlé d'avions supersoniques, c'était des rêves d'ingénieurs. Oui. Mais là, ça y est, il y a vraiment des travaux en cours pour faire des avions qui ne produiraient plus le fameux bang. Et il y a le fameux X-59, qui est un avion qui est en train d'être mis au point par la NASA et Lockheed Martin. Et lui, il est vraiment en préparation et on annonce un vol dans les prochains mois, d'ici, on va dire, un an et demi maximum. Si j'ai de l'argent, dans un an et demi, je pourrais reprendre le nouveau Concorde, le X-59. Oui, et faire par exemple... Refaire Paris-New York en trois heures. Et surtout Paris-Pékin, c'est-à-dire au-dessus des continents. Exactement. L'avenir est supersonique. Merci Muriel d'avoir été notre invitée. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. D'ici là, n'oublions jamais décidément que... La curiosité n'est pas un vilain défaut. Merci, à bientôt. Attendez, ne partez pas. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous avez peut-être l'habitude de manger du foie gras à Noël. Ou au contraire, vous êtes farouchement opposé à cet aliment et à ses méthodes de production. Eh bien, bonne nouvelle. Les Français ont mis au point un foie gras sans gavage. Les oies et les canards, vous savez, ont tendance à accumuler du gras naturellement pour avoir des réserves énergétiques lors de la migration. En mettant au point un sérum bactérien, les Français ont réussi à induire l'engraissement du foie sans avoir à recourir à la technique du gavage, très souvent jugée cruelle.
Ce nouveau foie gras coûte pour le moment 3 à 4 fois plus cher que le foie gras traditionnel. J'espère qu'à ce prix, il est au moins aussi bon.